Les jeux vidéo sont un exutoire et une passion pour certains. Cependant, il existe différents types de jeux. Il y a quelques années, le mode multijoueur a donné naissance au roleplay. Le roleplay est une façon différente de jouer en ligne, il s'agit de rentrer dans la peau d'un personnage en lui attribuant un nom, une histoire et des caractéristiques physiques. Ce mode est exploitable dans tous les jeux vidéo dotés d'un service en ligne avec la capacité de créer son propre serveur. Les jeux phares sont Arma 3, Garry's Mod, mais aussi GTA 5. Dans ce best-of consacré à GTA RP, nous allons nous concentrer sur le personnage de Yanis Abdouben de JL Tommy. Nous espérons que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à nous le dire en la likant et en mettant un commentaire. Ah ça, t'as envie sur la moto. Attention, ouais, ouais. Elle va taper un feu rouge, ouais. Elle veut pas tomber, hein. Oh non, je suis kick. Non, RP, oh non. C'est bon, j'arrête. Mais à 3 sur la moto, ça va, c'est RP, wesh. Non. Non. Bon, ok. Calmez-vous, cailloulogien. Non, mais dépêche, portefeuille, regarde ton portefeuille. Vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué. Combien? C'est le carnaval. 1,2 million. Un million deux. Ça, c'est des Américains. C'est bon, c'est noté. Bah oui, c'est le braquage à SemSem. Vas-y, va travailler ta race. Ça fait 10 heures, je suis là. Je regarde les billets, les gars. SemSem, on est là. T'es filmé ou pas? Ouais. Leur part, c'est 200 000 chacun. Ah ouais, bah vous êtes généreux. J'allais leur donner, moi, 200 000. T'allais leur donner de l'argent? Enfin, j'allais pas leur donner. Mais c'est ce que je voulais leur donner à la base avant que vous me dites, ouais, il faut pas leur donner. Mais ils auraient compris que c'est toi qui fais partie du braquage si tu leur en donnais, non? J'aurais dit j'ai gagné au loto. Ah, ok. Ok. Ah, je tiens toujours parole en fait, j'aime pas. J'aime pas oublier les gens. Les journalistes, je vais m'en occuper aussi, c'est pas un problème. Ok, donc je te fais confiance pour les deux mecs. Ouais, c'est bon. Écoute, hein, si tu me la mets à l'envers, il va rien se passer puisque de toute façon je serai baisé. Mais écoute. Quoi qu'il arrive, si tu me la mets à l'envers, tu vas me baiser. Mais si tu me baises, eh ben je serai très déçu. Mais si je te baise, j'ai plus d'argent. Ok, juste te le dis, hein. Si tu me baises, je serai très déçu. Mais bien sûr. D'accord. Je t'envoie la position dans 5 minutes, d'accord? Je suis en train de chercher un petit endroit sympa. Vas-y, où tu veux. Moi, je tourne en ville. Dès que j'ai ta position, j'arrive au plus vite. Et... D'accord. Ne me descends pas, Daking. T'inquiète. Daking! C'est bon! Je stresse, la vie de ma mère. Daking, me fait pas ça, la vie de ma mère me fait pas ça, frérot. Parce que là, voilà, je me bats hein, depuis tout à l'heure pour lui montrer que c'est un gars bien. Hey, attends. Toi, t'as un bigotage. Là, moi, j'ai un plan. Ouf. Écoute, vas-y. T'as vu le petit bichou, là? La petite merde qui était avec moi en. Ouais. En tôle. Merci Younzid. Il se cache. Merci bien, mais c'est un génie en fait. Pourquoi? Il a un plan, il est en or. Et il fallait justement un couteau, et comme par hasard tu l'as trouvé. Il a un plan, il est carré, concis, net. Genre, il y aura pas de bavure normalement, mais il faut qu'on trouve deux victimes. Non, c'est maintenant avant ou jamais avec. Oh, Léon. Attends, Léon. Attends. Non, moi, ouvre la cellule. Ouvre la cellule. Attends. Ouvre. Pousse-toi, non, il n'y a pas d'ouverture. Ouvre. Dis-lui qu'elle m'ouvre. Elle veut pas ouvrir, écoute-moi. Je la tue. Prends mon couteau, tu la tues. Si elle veut pas ouvrir, tu prends ses clés, donne, frère. Donne-moi ça, vite. Elle veut pas m'écouter. Tiens, mais tu la tues, frère, tu prends ses clés maintenant. Comment ça? Allez, dépêche-toi d'ouvrir. Dépêche-toi. Ouvre. Vas-y. Vous faites une grave erreur. Ouais, on s'en bat les couilles. Prends mon chasse. D'accord, on s'embarque là. Vous levez les mains. Go! Je lâche ou pas? Prends son arme! Donne ton pistolet! Dépêche-toi! Arrête de la taper! Donne le pistolet, dépêche-toi! Le pistolet! Très vite! Putain! Bouge pas! Je vois pas? Bouge pas. Attention. Quoi? Tu vas se coucher, toi. Pourquoi je peux pas tirer? What the fuck? Putain, ils ont fermé, attends. Bouge pas, on te met le couteau sous la gorge, bouge pas. Bah oui, vous mettez. Bah bien sûr. Ferme ta gueule. Je peux pas tirer. Ouvre la porte.
J'ai pas de balle. Ah ouais. L'avantage, ils m'ont écrasé. Monte. Monte. Allez. Bouge. Allez. Ça va jamais passer, Léo, ça va jamais passer. Allez, hein. Je sais que ça passera pas, me stresse pas. Merde, j'en ai marre. T'es en train de faire, Léo. C'est la merde. On sort pas. Non, on va où, frère? Oh, j'ai une idée, colle le bus. Colle le bus, on va escalader. Là, recule. Putain, le cactus, il est en métal. Vas-y, on teste. Dis-moi, ça vient sur nous. Ouais, c'est bon. Non. Allez, vas-y, go. Sans rien. Ouais. Ça n'a aucun sens. Non, frère, okay. on peut pas s'évader bon, comme bon. Ça. Ok. Non, on peut pas. Venez. Mais ils m'ont dit, il y a des mecs devant qui tirent. Je peux pas monter. Attends. Non. Arrête de pleurer, ça y est. Aïe, Zepi. Oh, Zepi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? On est où là? On est dans une grange, je t'ai fait tirer dessus. Ça c'est Camille et ça c'est Ice, je te les présente. Pourquoi je suis pas au Heps? Pourquoi t'es pas au Heps? Tu t'es évadé, mec. Tu t'es évadé grâce moi, à. Moi je peux pas. Là pour l'instant on reste là. Là j'ai appelé toute la famille et ils vont venir nous aider. Camille, tu vois tout ce que tu vois là. Si tu répètes un truc, tu meurs. Et c'est bon? T'as compris? Oui. Voilà, maintenant tu t'occupes de lui. Je suis sorti? Oui! Voilà Léo! Voilà ta grand-mère! Voilà, c'est qui ça? Je sais pas qui c'est! Oh là, on est sorti! Cette évasion légendaire! Voilà. Mais t'es le pire! Il y a une meuf, elle était en train de viser je sais pas qui, j'ai mis une tête, heureusement! Oh frère, je crois même viser à moi! Oh frère. La fin, c'était la merde, il y avait deux keufs, ils nous ont tiré dessus! Attends, mais j'avais un pistolet, j'avais pas de balle moi! Vas-y, venez, on se casse! Mais nous, on tolère pas les menteurs et les traîtres! Toutes les personnes qui font du business derrière notre dos seront mortes! Surtout les menteurs! Pas d'exception! Donc si on apprend que vous vendez notre business, vous faites n'importe quoi avec notre business sans notre autorisation, vous serez mort sur le champ. Faudrait peut-être leur donner la précision de qui on est nous, parce qu'ils vont pas nous appeler nous. Ah oui, vas-y, présente-toi, allez, comme ça il est content. Allez, présente-toi. Alors je vais vous dire qui on est. Ah, nous sommes... Il parlait pas, attends. Prism. Oh, les gens, la ville. Et arrête de parler, ça y est, viens t'asseoir. S'il y en a un qui a quelque chose à dire, qui va voir lui. merci pour l'intervention, Whitman. T'as envie de sauter tout seul? Vas-y, mets-toi ouais. Là, mets-toi bien dans le coin là, comme ça regarde un petit peu la mer là une dernière fois. Yappé. Juste crie. Mais pourquoi il a sauté ce trou de balle là? Putain. Il a crabat, frère. Ah, il est en train de nager. Je lui tire dessus partir, non. Ah, je crois que c'est fini. On a rien à foutre, ça y est. Non, encore une fois, voilà, je vais péter un câble. Non, là, je vais péter un câble. C'est pas moi qui l'ai tué. Je l'ai pas tué. Voilà, je l'ai pas tué. Non, c'est bon, frère, je peux jamais tuer personne, moi. Je tue jamais personne. Putain. Tirez que sur les mecs en blanc là, dès tout à l'heure vous essayez de me buter là, que vous faites là. Oh là là. C'est pas drôle. Oh, je suis vraiment pas en sécurité par contre, hein. Oh mon dieu. Le moment m'a doué. Ah ouais. C'est pas ton coup d'un. Rêpe en enfer. Tout se passe bien à l'intérieur. On a besoin d'un peu de bien. Oh, je me suis retourné sur lui, frère. C'est bon. Sous contrôle. Tu connais le film où il y a l'autre là? Comment il s'appelle l'acteur là qui fait le parrain et tout ça là? Evangeli. Je parle d'un homme, fils de... Jean-Luc Reichmann.
Monsieur, un acteur américain, chien. Comment il s'appelle? Tyler One. Ouais, c'est Frank Roper, ce c'est non. Frère, moi, j'aime sa mère. Il y a Robert De Niro, voilà. Robert ah De oui, Niro. Ouais, ouais, ouais. Ah, tu vois quand il fait le rappeur, là. Faites pas enculé. Viva Street, ouais. Mon argent. Ah, je rigole, je rigole. Allô? Ouais, allô, ouais, ouais. Allô, j'ai des crédits. 8000 dollars, parce qu'il y a 24 carats par diamant, et il y a 16 diamants. Est-ce que tu veux m'épouser, Mila? Oui. Jure? Oui. Jure? Voilà. Ouais. Voilà. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Ah oui, oui. Ah, désolé. Vous êtes tous les deux, en fait, t'as vu, vous êtes tous les deux un peu mes grands frères, tu vois. Sauf que toi, ouais, je baisse ta fille. Enfin, non, attends, je vais marier, hein, je vais marier, non. T'as dit quoi, alors? Ah! Ah! Merde, il contre moi. Arrête! Arrête! Bon, écoute-moi, tu fermes ta gueule, tu mets tes mains en l'air maintenant! Range ton pioupiou. Tu fermes ta gueule, tu mets tes mains en l'air, je te dis! Dépêche-toi! Tu mets tes mains en l'air, tu te dépêches! Et tu crois que crier ça change quelque chose? C'est bon aussi, frère, je peux rien faire en fait! Je peux pas crier, je peux pas rigoler, c'est bon! Crier ça sert à rien, ça montre que tu perds ton calme! Tu mets tes mains en l'air, tu te dépêches! Tu t'énerves là, ça sert à rien. Aïe, je peux pas m'énerver. Non, parce que c'est... Est-ce que moi je me suis énervé là? Tu mets tes mains en l'air, tu te dépêches. Est-ce que moi je me suis énervé avec les mecs? Tu mets tes mains en l'air, tu te dépêches. Arrête, je vais prendre ton arme, je vais te la mettre dans le cul là. Non mais attends, mais on fait semblant là, putain. Mais tu me fais pas peur, je ressens pas de la peur. Oui mais c'est normal parce que tu sais que je fais semblant. Non, parce que t'as une voix, ça se voit que t'es... Même toi tu crois pas. Bon maintenant, sors tout ça, maintenant Léon tu t'arrêtes. Tu mets tes mains en l'air maintenant, dépêche-toi. Non, ça marche toujours pas. Monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Faut lâcher des punchlines. Tu comprends pas? Monte dans la voiture si tu veux pas que je te pète ta mère qui fait du tennis. Non, bête ta mère, tout ça c'est trop. Ok. C'est trop facile, c'est trop. Monte dans la voiture si tu veux pas finir comme Jamel Debbouze. Je vais pas y aller de main morte avec toi. C'est bien ça? C'est presque drôle ça. Bah ouais, mais des punchlines frère. Tu lui dis monte dans la voiture si tu veux garder tes jambes par exemple. Tu vois? Monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Monte dans la voiture, je vais te couper la main, tu pourras plus jamais faire des mains courantes. Oh, c'est bon. Quoi? Tu m'as dit des punchlines, wesh. Monte dans la voiture. Je vais faire un manteau de fourrure avec les poils de ta ch***. Ah, bonsoir. Oui, on a une petite question, on fait des sondages là depuis tout à l'heure. Ouais, dites-moi. Lequel fait le plus peur? Yanis Abdouben ou Léon Bolton? Selon vous? Ah bah, de toute façon, c'est tous les deux trop du cul, hein. Autant vous dire qu'on s'en fout, hein. Non, mais si jamais vous deviez choisir un des deux que vous devriez pas croiser, quoi. Ah, c'est vrai que j'aimerais pas croiser. En one-one. Les collègues. Alors, en one-one, moi je les prends, je leur mets un taquet chacun. Hein. S'ils sont pas avec toutes leurs copines et tout, normalement, ça devrait le faire. Hein. Ouais, mais bon, celui que vous préférez le moins, quoi. Celui que je préfère le moins. Le moins croisé, en one-one. En one-one, je sais pas trop. Je dirais peut-être Monsieur Bolton. Ouais. Parce que. Quand même, il a une sacrée réputation. Ouais. Après, Monsieur Abdouben, moi j'ai eu le plaisir de le croiser une fois, il a été très gentil avec moi. Ah, il était gentil, mais pas méchant. Ouais, non, il a été très gentil. Ouais, cool. Mais t'es gentil, mais percutant, quoi, quand même. Il ah, était... ouais. Gentil, ouais. Mais un peu con, sinon. Non, je dirais pas con, vous voyez, je dirais plus que c'était un sacré brigand. Je vais fouiller tes poches et si jamais je trouve un billet, eh ben je t'explose le crâne, c'est bon ou pas? On est d'accord, petit? T'es sérieux, frère, grâce à lui, bah, on a la chance. Y'a que 6,78 là. Ça c'est pour... Oh t'as des grosses poches. Ouais. Hein? Ah, regarde pas, hein, c'est pas... Ah, les choses qu'on est Regarde pas ce qu'il y a. Oh putain. Allez, oh putain. Ah ouais, j'aurais pas dû regarder, je crois. J'ai failli pas regarder. Il a des grosses poches. C'est quoi ça? Oh, je peux tirer un coup, s'il te plaît, je peux tirer un coup. C'est pas un nerf. Ça va foutre la merde. Oui. Putain. Reprends ça, c'est bon. Mets-moi une balle dans le torse. Tiens. Ouais, il va te désinguer. Tu vas te décapiter. Tiens, c'est bon. Cette fois-ci, vous sortez pas.
Ouais, ah ouais, vous avez interdiction, sinon on vient vous chercher un pot des fesses, hein. Voilà. Oh alors là. Aïe aïe aïe. Allez, la bécane, tu peux arriver. La bécane, tu viens, tu me rejoins. Magic Quest.